Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis Franck Payen et aujourd'hui, je reçois Mathieu Stern sur la chaîne YouTube Adobe France, à laquelle vous pouvez évidemment vous abonner. Vous vous doutez bien que c'est un peu comme ça que ça marche sur YouTube. Il y a le petit logo dans le coin en bas à gauche. Et sur cette session, vous allez pouvoir nous suivre, vous allez pouvoir poser vos questions, dire bonjour à Mathieu déjà. Et on va en profiter pour découvrir son travail, qui il est, ce qu'il fait, la manière dont il fonctionne sur la photographie. De où tu viens en termes créatifs, en termes techniques, etc. Et donc vous pourrez profiter du chat qui est en dessous de vos fenêtres pour lui poser toutes les questions qui vous taraudent, si vous en aviez déjà, et pour compléter au fur et à mesure nos explications. Bonjour donc aux habitués, bonjour Daniel, TMPX, Hyperlite, bonjour Guy Arnold, que je ne connais pas encore, bienvenue. Donc on est sur la chaîne YouTube d'Adobe France, sous-entendu on va pas mal parler des outils Photoshop, Premiere, qui sont des outils que toi tu utilises, Mathieu ? Tous les jours, à peu près tout ce que je fais, je vais utiliser très souvent Photoshop, Premiere, Illustrator un petit peu moins en ce moment, mais c'est surtout Photoshop, Premiere, même InDesign j'utilise beaucoup. Voilà, dans la plupart de mes travaux. Mais c'est quand même Photoshop et les premières qui vont être les plus présents. Ouais, ce qui est un petit peu normal, vu que tu fais de la photo. Est-ce que tu viens de la photo ou est-ce que tu ne viens pas de la photo, dis-moi. À la base, moi j'ai fait des études de communication visuelle, donc ça englobe un peu tout. Et j'étais pas spécialement dans la photo, j'étais plus dans la publicité traditionnelle. D'accord. Et puis j'ai eu un déclic où j'ai vraiment eu envie d'apprendre la photo. Et j'ai mis toute mon énergie dans apprendre la photo, les bases en tout cas. Et en très peu de temps, j'ai appris les bases et ensuite je me suis dirigé vraiment sur la photo expérimentale, tester des nouvelles choses, essayer d'inventer un peu des nouvelles techniques. Alors quand tu dis inventer des nouvelles techniques, il y a des choses que tu t'expérimentes toi sur des boîtiers numériques qu'on trouve maintenant, mais il y a aussi des choses que tu as retrouvées, des techniques qui étaient beaucoup moins utilisées, je pense à la trichromie dont on parlera tout à l'heure. Oui, il y a des choses, j'ai rien inventé, j'ai juste redépoussiéré des anciennes techniques, ou alors trouver des systèmes pour reproduire des techniques qui existent déjà, mais uniquement en analogique, et essayer de les transposer en digital. Et donc du coup, c'est plus un travail de comment faire pour que l'ancien et le nouveau fusionnent et créent des nouvelles possibilités. Et puis, que ce soit à travers l'utilisation d'objectifs un peu bizarres ou d'objectifs anciens sur des boîtiers digitaux, ou alors tout ce qui est technique vraiment dans Photoshop, de colorisation, de retouche de lumière, qui vont faire qu'on va retrouver, comme pour la trichromie ou le Digital Collodion, des effets qu'on n'avait pas techniquement l'option sur des boîtiers digitaux. Carrément. Ouais, c'est marrant, parce que moi, ça me fait penser à une session qu'on a donnée, alors ça date maintenant, c'est un petit peu plus de 3 ans, j'avais reçu Paul Alain, je sais pas si c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, qui est un photographe qui travaille lui aussi sur les procédés anciens. Et un des éléments sur lesquels il s'est amusé, c'est justement de venir réutiliser les procédés anciens pour fabriquer du film, et à partir de ces films, faire les tirages. Tu me parlais de collodion, mais toi tu le fais dans Photoshop. Ouais. Et lui, il retravaillait vers le collodion, mais pour de vrai, c'est-à-dire il a fait des tirages charbon, des tirages sur des matières, des cyanotypes et autres. Et je l'avais reçu justement sur cette session. Alors c'était l'époque où on n'avait pas trop de vidéos, donc on verra pas sa tête. Mais je vais vous partager la session Paul Alain pour ceux qui seraient intéressés sur les procédés anciens. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le pendant de ta version. C'est-à-dire que lui, il fait de l'ancien à partir du digital, et toi tu fais du... J'utilise le digital pour recréer l'ancien. Ouais, c'est plutôt cool. Et du coup, donc tu dis, tu as appris rapidement la photographie. Personne ne veut me croire, mais en fait, la partie technique de la photo, vraiment la partie basique, j'ai appris en 3 jours. Donc, je me suis mis devant YouTube,
Et 3 jours plus tard, j'ai regardé absolument tous les tutos que je pouvais trouver. Enfin, les bons tutos, hein. Pas tous les tutos, mais les tutos qui avaient le maximum de vues. Et j'ai vraiment j'ai binge-watché pendant 3 jours non-stop tout l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation, enfin tous les ISO, essayer de comprendre tous ces trucs-là. Et au bout de 3 jours, j'ai dit, bon, ok, ça je sais faire maintenant, je vais faire des photos. Et en fait, j'ai commencé la photo parce que je partais en Islande. J'avais un petit appareil pourri ben, juste t'appuies, ça prend la photo. Et je me suis dit, je ne peux pas partir là-bas sans avoir un bon appareil. Et donc, du coup, j'ai acheté un Sony Nex, donc les premiers mirrorless. Et j'avais vu par hasard qu'il y avait un mec qui avait montré qu'on pouvait utiliser un objectif ancien, enfin ancien des années 60, sur cet appareil-là. Mais Ouais, il ça, disait. avec une bague ou un... Voilà, avec un adaptateur. Mais il disait ça en option, quoi. Il disait, oh, c'est une Tiens, option. Donc. au fait, on peut le faire. Voilà, c'est juste, ouais. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais ça doit être génial de mettre des vieux machins dessus, et ça doit faire des images différentes. Et donc, je suis parti en Islande avec ce Sony Nex et un objectif que mon père m'a donné quand il faisait de la photo, en M42 à vis, un vieux machin, qui maintenant, avec le recul, c'était une grosse bouse, cet objectif. Mais sur le moment, de tout faire en manuel, d'apprendre encore plus sur place bah, comment gérer la luminosité, la mise au point, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et quand je suis revenu, j'ai dit, j'achète plus jamais un objectif moderne, je vais acheter que des trucs anciens. Que des trucs anciens. Et quand j'ai commencé, bah, ça coûtait rien parce que personne savait qu'on pouvait faire ça. Donc j'en ai acheté là, j'en ai presque 200. Ah oui, quand même. De toutes les époques, de tous les styles, des trucs complètement bizarres, des prototypes, qui font tous des images un peu différentes, et surtout qui font des images souvent aussi bonnes, voire meilleures que certains objectifs modernes qui coûtent une fortune. Ouais, qui dépendent aussi, je suppose, d'autres concepts. C'est-à-dire que si tu pars sur les objectifs anciens, on était aussi sur des choses où il y avait effectivement le temps de pose était prédominant. Il y a ça, mais la partie basique, c'est-à-dire qu'un objectif, ça sert à focaliser la lumière sur un plan, donc soit du papier, soit du film, soit un capteur digital. Cette information-là, cette chose-là, elle n'a pas changé depuis le premier jour. C'est-à-dire c'est toujours un bout de verre qui va focaliser la lumière. Qui coûte 10 000 boules ou qu'il en coûte 5, c'est toujours le C'est même toujours truc. le même Seulement, concept. maintenant, les objectifs, ils ont tous l'autofocus, donc ce qui permet de pas avoir à faire soi-même la mise au La mise point. au point Donc ça, dessus. rajoute de l'argent. Et puis, ils sont dans des matériaux qui vont être plus légers, en plastique, ils vont avoir plein de trucs pour réparer les aberrations chromatiques et les déformations. Mais dans les années 60 jusqu'à 90, on avait des objectifs qui étaient très 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 bons, sauf qu'ils n'avaient pas l'autofocus. Donc à partir du moment où, comme moi, on s'entraîne à utiliser le manuel, le mode manuel, à bouger soi-même les objectifs, et ben on n'a pas besoin de l'autofocus. Moi, j'arrive même plus à utiliser l'autofocus. Je fais plus confiance dans l'autofocus. C'est marrant comme il y a des familles de photographes. J'ai croisé des photographes qui me disaient, moi je shoote qu'au 50, moi je shoote que à tel focal. Toi, tu as quand même des zooms. Mais tu fais le focus Ouais, avant. j'utilise pas beaucoup de zoom, mais par contre, il y a des focales que j'aime bien, il y a des focales que j'aime moins, mais j'aime bien tester tout. C'est-à-dire que j'aime pas quand on me dit un portrait, ça peut être fait que au 50 mm. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, je vais faire des expériences où je vais faire des portraits avec un fisheye complètement déformant 180 degrés, ou alors avec des objectifs, bah, ils sont même pas faits pour faire des photos. Donc là, dans les semaines qui viennent, je vais utiliser un objectif médical pour faire des portraits avec. Donc, un objectif qui était utilisé par des dentistes pour faire des photos de dents cariées, des choses comme ça. Et il est super beau, il est super intéressant, mais vu qu'il était fait pour être médical, c'est écrit médical C'est dessus, écrit médical dessus, du coup personne bah, l'utilise pour personne se dit autre. je vais faire des portraits avec. Et donc du coup, il y a plein de trucs comme ça, ou des objectifs de l'armée, de militaires, ou des choses qui sont à vision nocturne, des choses comme ça, qui vont être, bah, qui vont avoir des qualités complètement différentes et qui sont pas faits pour faire comment dire, de la photo artistique, qui était faite pour faire de la photo technique,
pour l'armée, pour le repérage. Sauf que bah, moi, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec, pour un portrait, pour une photo plus, avec plus de d'âme que juste on va tuer des gens. Normalement, ça devrait aller, effectivement. Et là, du coup, en arrière-plan, je nous ai mis ta chaîne YouTube, et notamment quelques plans du film que tu as fait, sur un objectif très très particulier, puisque c'est un objectif qui fonctionnait avec un bout d'iceberg. Voilà, donc c'est un objectif que j'ai fabriqué, j'ai travaillé dessus pendant super longtemps, où je me suis dit, si la glace, enfin pas la glace justement en anglais, mais c'est le verre transparent peut focaliser la lumière, la glace, donc de l'eau glacée, devrait faire la même chose, puisque s'il n'y a pas de bulle dedans, elle a les mêmes propriétés de réfraction. Et donc du coup, j'ai testé cette idée, j'ai fait plein de prototypes pour créer un objectif en glace. Alors l'objectif en lui-même, il n'est pas en glace, oui, il y a lentille qui est en glace. Parce que l'objectif complet, ça sera compliqué. Mais la lentille est en glace. Et j'ai poussé le truc où je suis allé là où la glace est la plus pure, donc dans les glaciers en Islande. Et il y a une plage en Islande qui s'appelle la Diamond Beach, où certains gros icebergs vont s'échouer. Ouais. Donc on peut s'approcher très près de ces icebergs. Et tous ces icebergs ont plus de 10 000 ans. Donc ils ont purifié leur glace pendant 10 000 ans. Et donc les petits bouts d'iceberg qui tombent par terre, c'est peut-être pas la plus pure de la planète, mais c'est une des plus pures. Et du coup, j'ai créé avec un moule que j'ai modifié, un moule en métal qui sert à faire des glaçons pour les bars à cocktails au Japon. D'accord, c'est ça, c'était donc ça la pièce de métal. Voilà, l'espèce de truc qui se comprime là. Et donc du coup, l'intérêt de ce moule, c'est qu'il fait fondre la glace très très vite. Ouais. Sauf que ça, c'est dans le meilleur des cas, quand on est dans un bar. Quand t'es dans un bar, voilà. Il fait chaud et tout. Par contre, quand on est en Islande sur la plage et qu'il fait moins 20, et ben, le temps de fonte, il est beaucoup plus long. Donc, du coup, on est resté 5 heures sur la plage pour réussir à faire une seule lentille qui fonctionne. Et du coup, c'est les photos que j'ai prises avec cette lentille. Ça a duré 1 minute. Donc j'ai pu faire que 1 minute de photos, parce qu'après 1 minute, l'objectif était fondu. Et nous, on était frigorifiés, donc on a dit bon, allez, c'est tout. En plus, c'était notre dernier jour, on avait tout basé là-dessus, donc on ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps sur cette plage. Mais moi, de toute façon, mon but, c'était pas de... ça n'a jamais été de créer un objectif parfait, c'était juste voir si c'était possible, et j'ai vu que c'était possible. Et on m'a demandé, est-ce que tu vas le refaire ailleurs, dans d'autres pays et tout, mais non, moi, ça y est, j'ai vu que ça marchait, j'ai envie de tester un nouveau projet, quoi, de tester de nouveaux... Donc je réfléchis à en quoi je pourrais faire un autre objectif. C'est ça, en quelle matière transparente. Donc du coup, j'avais créé, là, je l'ai ramené, j'avais créé un petit corps d'objectif en impression 3D, donc cette partie-là qui se pluguait sur l'appareil, et puis cette partie-là qui servait à retenir la boule de glace, enfin le demi-sphère de glace, et cette partie-là qui servait à la bloquer et à créer un pseudo-diaphragme pour avoir moins de lumière à l'intérieur. Et donc cette vidéo-là, elle a très très bien marché, et on a été... parce qu'il y a ma femme dans la vidéo qui m'a aidé sur tout le truc, mais on a été diffusé dans Science et Avenir, sur la BBC, enfin c'était des super bons retours par rapport à tout ce qu'il y a derrière aussi. C'est le storytelling qui était intéressant aussi dans cette vidéo-là, parce que les photos sont floues, ça, il n'y a pas de doute, mais après voilà, c'est des photos faites avec un objectif qui a 10 000 ans en eau qui fond en même temps que tu prends la photo. Donc pour ça... Ouais, moi, je trouve que les photos sont quand même vachement nettes, et on comprend. Moi, j'avais qu'une hantie, c'est que j'étais passé 5 heures dans le froid et me retrouver avec des photos totalement illisibles. Alors que là, on comprend les visages, on comprend les paysages. Donc le boîtier, c'était de l'argentique ou la... Non, c'était un Sony mirrorless. Ouais. Du coup,
C'était juste... c'était le seul moyen, d'ailleurs, de faire la mise au point en étant sûr de soi, parce que moi, je faisais que bouger. En fait, j'avais donc le corps, cette partie-là, qui était fixée sur mon Sony. Sur ta bague, ouais. Et moi, avec la partie en glace, je faisais juste tac, tac, tu tac, faisais ton sténopé. Pour essayer d'arriver à avoir la mise au point parfaite. Mmh. Donc, c'était le seul moyen, c'était aussi un bon moyen d'éviter que l'eau rentre dans l'appareil. C'est ça. Parce que je faisais ça et ça faisait tomber les gouttes. Mais tu savais que plus de gouttes t'avais, moins t'avais de l'entrée. Voilà, plus ça coulait le long de mes doigts, plus je savais qu'il était temps d'arrêter, parce que je me dis, ok, je pense que le truc est en train de fondre totalement. Ouais, c'est ça, ouais, non, mais c'est sympa. Et t'as pas pensé justement à garder les mains glacées, parce que du coup tu le tenais à 37. Non, bah le plastique, lui, il était pas chaud. Mm. Donc du coup, ça me permettait, cette petite languette, ça me permettait aussi de pas avoir touché la glace. Et puis j'avais des pinces, des petits pinces métalliques pour éviter de la toucher. Après, j'ai vu des gens qui m'ont écrit en me disant, mais pourquoi t'as pas mis un système de réfrigération et tout. Je suis pas de la NASA non plus. C'est ça. C'était juste pour te faire une photo sympa en vacances. C'était pas pour passer toute ta vie dessus. Oui, non, c'était pour l'expérience, quoi. C'était juste une expérience. Le voyage en Islande, de toute façon, il devait se faire. J'ai pas fait. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que j'avais claqué plein d'argent pour aller en Islande juste pour faire cette expérience de. Ouais. J'ai dit, non, je suis allé en Islande et j'avais de toute façon envie de faire un test. Et je me suis dit, je vais de toute façon en Islande, il y a des icebergs, on va faire une photo avec... On va tenter, quoi. J'aurais été ailleurs, j'aurais testé avec un autre type de glace, mais je trouvais que c'était quand même cool de faire ça avec une glace très ancienne. Ouais, tout à fait. Alors, il y a TMPX qui nous dit, est-ce que tu as essayé l'objectif boîte de conserve avec le petit trou, donc le sténopé Non, j'ai des objectifs sténopés que je mets sur mon digital. Mmh. Ça marche, je suis pas très fan du résultat en général, mais ça fonctionne. C'est des petits objectifs en plastique, je crois que c'est... petit Lomo. C'est Lomo qui faisait ça. C'est juste un petit trou, hein. Mmh. On peut le faire soi-même avec un bout de... comment ça s'appelle, de papier métal. Papier d'alu. Après, c'est vrai que moi, je suis pas toujours fan du résultat. En plus, il faut avoir un capteur nickel, parce que sinon, il y a des grosses taches partout. Par contre, faire un objectif en boîte de conserve, j'y ai pensé. Mmh. Je voulais faire la Coca-Mera, donc faire juste un objectif en canette de Coca. Qu'est-ce qui t'a arrêté? L'intérieur c'est en métal réfléchissant, donc ça risque d'être dégueulasse la qualité. Et puis je veux quand même qu'il y ait une idée un peu intelligente. Si c'est juste faire le maximum d'objectifs les plus bêtes possibles, je vais... Il y a de la concurrence et tu... Non, il n'y a pas de concurrence, mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. L'objectif en glace, il y a toute une histoire derrière. L'objectif en canette de Coca, bon, c'est juste parce que c'est cheap. Mais après, j'avais fait un épisode avec le Crapinon, où j'avais vraiment acheté celui-là. J'avais récupéré un morceau de jumelle, où je ne savais pas exactement ce que c'était, dans une brocante par terre. Le mec, il allait le jeter de toute façon. Mmh. Et en fait, j'ai montré qu'avec un vieux bout d'ordure, en mettant les bonnes pièces et la bonne distance de focalisation. C'est ça, réussir à refaire les maths, la physique derrière. C'est surtout du essayer, recommencer, donc c'est jamais quelque chose qui va être sûr. J'ai pas en tête le dire, ça va marcher comme ça, je vais d'abord tester, recommencer. Tu vas regarder ce que ça donne. Et du coup, j'ai réussi à faire des photos qui sont quand même pas si mauvaises. Pour un objectif littéralement fait de garbage, quoi. C'est ça, vraiment récupéré, c'est clean en plus. Pour le coup, lui, il est plus que gratuit, hein. C'est limite poubelle. Et j'ai même fait des petits... Ah oui, t'en as fait une adaptation vidéo, c'est ton boîtier qui te permettait ça. Hein. Ouais, de filmer, et du coup, c'est vrai que c'était un objectif... c'était pour montrer un peu qu'on pouvait faire... Qu'on pouvait aller plus loin. On pouvait aller plus loin que d'acheter des anciens objectifs, mais de carrément fabriquer ses propres objectifs. Donc l'objectif en glace, c'était un peu la suite logique de ça. Et puis, pourquoi pas faire une canette caméra, mais c'est plus... il faut qu'il y ait quand même un message que ce soit rigolo, quoi. Je sais pas si une canette caméra, ça fera beaucoup de...
Ça se tente, hein. De toute façon, tu verras bien si tu le fais et comment tu le mets en place. Donc du coup, ouais, ton cœur de métier, c'est l'objectif et l'image qui va avec. Ouais, voilà. Et du coup, sur les images, si on regarde un petit peu ton boulot, on voit qu'il y a de la photo, je dirais, normale. Et puis, il y a des photos qui ont des aspects particuliers, que ce soit les doubles expositions sur lesquelles tu as pas mal travaillé. J'ai vu en ce moment, tu as un Instagram sur lequel on peut te retrouver. Alors, je sais plus. Je l'ai ouvert, sinon, moi. Tu l'as ouvert chez toi ? Ouais. On va migrer chez toi. Si mon écran... Vas-y, il faut le réveiller. Non. Non, tu as plus de Mac. Ton Mac est mort. Mon Mac est mort. C'est ça. C'est dommage. Instagram, Mathieu Stern. C'est pas grave. On va y venir ici. Et on essaiera de ranimer cette machine. Il a l'air toujours à peu près vivant. C'est bon. Il est debout. Je l'ai vu passer un instant. Yeah. Ouais, il faut un password. Que je te donnerai dans deux minutes. Et donc là-dessus, effectivement, c'est toute ta dernière série. C'est un travail sur la double exposition, sur la trichromie un petit peu plus bas. Ça, c'est l'image qui nous a servi de fond. Alors, je suis désolé, hein, je l'ai pourri, je lui ai mis du bleu en mode on est dans Photoshop. Ouais, c'est pas très grave. Ça va, tu m'en veux non, pas. Non, je supporte la fond. Tu supportes la fond, ça c'est une bonne chose, c'est Grand Prince, parce que je savais pas comment le gérer. Et du coup, ouais, tes expérimentations, on voit qu'il y en a très très régulièrement. Est-ce que tu te fais des séries de photos ? Comment tu pratiques sur ça ? En vrai, j'ai des thèmes que je reprends souvent. Je suis pas fan des séries. Enfin, justement, j'essaye de travailler sur des séries. Mais jusqu'à présent, j'étais aussi assez dépendant de ma chaîne YouTube où je fais des reviews d'objectifs et je fais beaucoup de portraits dessus. Et donc, du coup, en général, sur Instagram, je poste un peu ce que je fais sur ma chaîne, les résultats. Mmh. Et j'ai ces trois thèmes qui reviennent un peu en plus. Du coup, j'emmagasine des photos quand je fais mes shootings. Ouais. Et du coup, je les poste peut-être plus tard autour de, justement, la trichromie, le collodion, la double exposition. Et là, j'ai envie en ce moment de faire plus de double exposition. Donc là, j'ai organisé des shoots récemment avec des modèles sur des fonds blancs, des fonds noirs, donc pour avoir des silhouettes vraiment complètement dessinées. Et je vais essayer de créer mes propres double expositions en utilisant que du matériel que j'aurais créé moi à 100% pour pouvoir justement explorer aussi, parce que comme la trichromie, comme le collodion, la double exposition, c'est quelque chose qui n'est pas tant utilisé que ça. Mm-hmm. Sans doute parce que c'est bien, bien compliqué à faire. Sur le papier, c'est vachement simple, mais pour avoir un résultat intéressant, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, quand on tape double exposition sur Google, on trouve à peu près tout le temps la même chose et tout le temps les 5 ou 6 mêmes auteurs. Je me dis, il y a de quoi créer des nouvelles choses. Pour bien faire, si vous cherchez la double exposition et que vous êtes intéressé par ça, genre sur la chaîne YouTube Adobe, toi tu m'en avais parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je le ressors, d'habitude j'y pense pas forcément, vous tapez double exposition et vous aurez faire une double exposition avec Photoshop en 46 secondes. En 46 secondes, et c'est vrai qu'il est, il est très efficace ce petit... Le petit tutoriel comme ça de Photoshop, et je vais même vous le faire en 28 secondes. Parce que je suis hyper sympa. On va dire que c'est la partie, la base, quoi, pour faire une double exposition. Après, celles que je fais, elles sont un peu plus complexes, parce que c'est souvent des plus que deux. Donc, c'est pas des doubles, c'est des quadruples, cinquuples expositions. Je sais qu'il faut pas dire double exposition quand c'est pas une double exposition, donc on va dire que c'est des composites. Des composites, c'est ça, c'est parce que au départ t'exposais un film et du coup tu faisais faisais une double exposition, c'est le mélange de deux photos. Donc à partir du moment où t'en mets 3-4, c'est plus une double exposition. Par contre, le fait de mixer deux images en utilisant les valeurs de blanc et de noir, ça reste une multiple exposition. Mais après, maintenant, si tu dis voici une multiple exposition, personne ne va comprendre. Donc, c'est de c'est ça, double exposition. Déjà, tu commences à limiter le spectre. Voilà, double exposition, c'est devenu le terme un peu pour dire une image où il y a des trucs qui sortent de la tête des personnages. Mmh, mmh.
Et du coup, j'aime bien aussi essayer soit de vraiment faire de la double exposition pure, c'est-à-dire juste deux images, comme celle-là par exemple, Ouais. où c'est vraiment une image avec des poissons qui nagent et un visage. Et puis essayer des composites, du coup, avec 5 ou 6 images mixées les unes avec les autres. Donc là, en ce moment, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de pousser un peu la double exposition plus loin que des meufs avec des branches qui leur sortent de la tête, parce que c'est un peu ce qu'on voit partout. Ce qu'il y a partout, c'est le truc facile. Maintenant, c'est une le fois truc que tu l'as, facile. enfin, Donc maintenant facile. que je l'ai fait aussi, j'aimerais bien essayer de partir sur quelque chose des motifs ou des images qui sont différentes et qui vont amener un truc un peu moins la forêt avec les oiseaux. Je l'ai fait aussi, hein, je dis pas que. Ouais, bien sûr, mais C'est juste si ça, voilà, tester si un ça nouveau permet de se truc. tester, si ça permet de. Ah, mais la forêt, ça marche parfaitement. C'est pour ça que tout le monde le fait. C'est parce qu'il y a ce blanc du ciel, il y a les branches des arbres qui font un super beau découpage. L'idée, c'est de trouver d'autres trucs qui fonctionneraient comme une forêt, mais qui seraient autre chose, qui auraient un autre message que juste la forêt. Mais je dis D'accord. pas que mettre des forêts sur la tête des gens, c'est pas bien. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Et toi, quand tu fais pas des doubles expositions, tu fais des expositions en trichromie. Ça, c'est quoi? C'est une de tes premières ou t'en avais fait beaucoup plus avant déjà? J'ai commencé tôt la trichromie. Si moi bien Allez, de attends, je vais prendre. te le réveiller parce qu'il. Tout à l'heure, il est apparu. Il s'est dit que c'était le moment. Mais vas-y, raconte et je te. Bah donc la trichromie c'est une technique qui date du tout début de la photo qui sert à recréer en fait la couleur, une image en couleur à partir de 3 images successives prises à travers 3 filtres de couleurs, donc rouge, vert et bleu. Et c'est un Russe qui a d'abord trouvé cette technique-là, Sergueï Gorski, Prokoudine Gorski, Gorski, il faut réussir à faut l'avoir. réussir Ouais, à le dire, c'est pas simple. qui a en fait réussi à qui n'était pas spécialement un photographe artistique, qui était plus un chimiste, mais qui a compris qu'en fusionnant 3 photos, alors à l'époque, du coup, personne n'avait de la couleur, donc c'était en noir et C'était blanc. vraiment une Et là, révolution en je plus. crois que sur mon écran, Sur ton écran, il y a ça. C'est bon. on a un bon exemple. Hop. Voilà. Donc tout ça, c'est Wikipédia, hein, Donc, si vous avez besoin ouais, de. c'est en full HD sur Wikipédia, donc ça donne bien un exemple. Donc on voit sur la droite qu'on a 3 photos. Et si on regarde la robe du bonhomme, on voit que, enfin la robe, le costume du bonhomme, on voit que chaque photo a des valeurs de couleurs complètement différentes. Donc la première, on dirait que sa robe est blanche, la dernière, on dirait qu'elle est bleue, Qu'elle est noire, noire. Et en fait, c'est donc il a pris le personnage une première fois à travers un filtre rouge, ensuite vert et ensuite bleu. Sauf que à l'époque, il fallait absolument pas bouger entre les photos. Parce que chaque photo prenait 5-6 minutes à prendre, et ensuite il fallait mettre un nouveau filtre, recommencer. Donc la personne qui était prise en photo, elle devait surtout pas bouger, Ouais, bien sûr. parce que entre chaque tout ce qui va être ne pas se déplacer, en mixant les 3 photos, ça On va arrive retrouver la à. couleur d'origine. Par contre, s'il y a le moindre truc qui bouge, s'il a un cheveu qui bouge, s'il a une branche derrière lui qui bouge, s'il bouge un doigt, il y aura une des photos qui sera un peu différente des deux autres. Tout à Et donc, fait. du coup, on aura un artefact de couleurs, donc rouge, bleu ou vert. Et c'est là qu'on va avoir des on voit d'ailleurs Des sur aberrations, enfin le. les bords de l'image, ils sont super bizarres parce que justement, ils ont pas été faits extrêmement pareils les uns par rapport aux autres. Donc, on a cette différence d'image. Et puis on a des taches. On voit que sur la première photo en haut, à droite, on a une petite tache noire là, qui n'apparaît pas sur les 2 autres photos. Par contre, sur la dernière, une petite tache blanche dans le mur. Et quand on voit sur la photo en couleur, on voit qu'il y a une tache rouge et une tache jaune en haut. Et donc c'est ces différences-là qui vont créer aussi des effets. Donc là, par exemple, on voit un autre exemple. Voilà, alors là, il a fait une serre tropicale. Donc on voit bien que les plantes sont vertes, comment ça s'appelle, les fleurs sont rouges. Par contre, il y a eu sûrement une différence de lumière au moment de la photo sur le filtre bleu. Il y a Un eu nuage un ou rayon de soleil, ouais, ou un nuage qui s'est poussé. Et donc, on a un cast bleu comme ça, tout en haut, qui se répand dans l'image.
Et donc, cette technique-là, elle a été réalisée en 1915, ouais. C'est-à-dire presque 30 ans avant que tout le monde, tous les autres trouvent le moyen de faire des photos en couleur. Et puis de l'automatiser aussi, parce que t'as... Parce que le problème avec ça, c'est qu'il fallait projeter les trois photos les unes à côté des autres, enfin les unes par-dessus les autres, avec trois projecteurs, chacun avec la couleur en question, sur un mur blanc pour pouvoir retrouver cette photo en couleur. Ouais. Donc c'était un travail de malade et en fait c'était le tsar qui lui avait commandé ça en lui disant voilà tu vas aller voir tous mes sujets dans mon royaume et tu vas prendre des photos de mes sujets devant leur maison, c'est pour un travail d'archives. Ouais. Et comme ça on aura un peu un souvenir de tous les costumes un peu de mon empire. Et donc c'est pour ça que toutes ces photos, elles sont un peu étranges, parce que les personnages ont des couleurs qui sont ultra flashy, mais c'est des vrais gens, c'est pas des photos faites en studio, c'est pas des trucs retouchés, c'est les vraies couleurs qu'ils voyaient à ce moment-là. C'est juste que on voit que, par exemple, là, les trois jeunes filles, elles ont pas bougé d'un centimètre entre les photos, mais toute la maison derrière elles est mieux colorisée. Ouais. Sur le visage de celle-là, on voit que ça gigote quand même. C'est ça, oui. Il y a des artefacts. Parce que tenir la pose pendant 5 minutes x 3. Voilà. Et là, on voit qu'elle, par exemple, elle était vraiment super efficace. Elle n'a pas bougé d'un centimètre. Elle a un œil qui dit un peu merde à l'autre. Et puis, on a son collier qui a complètement bougé entre les photos. Et plus on va s'approcher, plus on va se rendre compte qu'il y a les petits détails. Les trucs qui ont un peu bougé. Alors, c'est marrant parce que quand on a la... Il y a quoi ? Il y a 5-6 ans, dans une version de Photoshop où ils avaient mis en place le HDR, on retrouvait le même genre de problématique, c'est-à-dire le fait que si tu prends une photo d'un champ avec une grande ouverture, avec une exposition, surexposition, sous-exposition, quand il y avait un fil barbelé dans les exemples qu'on utilisait, et le fil barbelé, il prend beaucoup plus le vent que les poteaux, que les arbres, etc. Oui. Et une des petites phrases qu'il y avait dessus, c'était genre, ouais, il y a un ingénieur chez Adobe qui a passé des mois et des mois juste pour mettre une case qui s'appelle « Supprimer les fantômes » et corriger tous les artefacts de mouvement dans une photo HDR, par exemple. Ouais, c'est un peu les mêmes problèmes qu'on a avec la trichromie, c'est que... Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement ces problèmes. C'est là où on voit que les personnages sont restés super pour la pose, ils ont fait la pose, mais il y a un mec derrière qui n'a pas compris. C'est ça. Et il dit « Ouais, qu'est-ce que je fous là ? Il faut que je continue de travailler. » Et on voit qu'il a deux têtes. Mmh. Et le pire, c'est le mec derrière qui, lui, a dû rester sur deux photos sur trois. Sur deux photos, puis qui a dit « C'est bon. » Donc peut-être qu'il est allé expliquer à un autre gars qu'il fallait que personne bouge. Par contre, lui, derrière, lui, il est resté dans sa position pendant les trois photos. Et donc, on a une qualité de colorisation sur les personnages devant qui est magnifique. Et c'est sur le personnage derrière qu'on a cet artefact de couleur qui est super intéressant. Mmh. Et donc, moi, quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit, mais ça doit être... si ça marchait à l'époque, ouais, y a pas de raison que ça devrait marcher aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai fait des recherches et absolument personne ne le faisait. D'accord. Parce que les gens continuaient à travailler sur la trichromie, mais uniquement en analogique. Par contre, personne ne s'emmerdait à faire de la trichromie digitale. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait plein de recherches sur comment faire. J'ai commencé par faire exactement comme ils faisaient, c'est-à-dire trois photos... à travers trois filtres, donc j'avais fabriqué ce magnifique... Attends, je vais te mettre en grand pour ça, il faut au moins. Alors le filtre vert, au milieu il est vert, oui, là. Il y a du vert, vous, ouais. Vous voyez pas, regardez, on peut faire disparaître. Mais... Ouais, c'est marrant. C'est pas mal, hein, tu vois, on fait des expériences en photo aussi. Donc du coup, ce filtre, il y a un filtre bleu, un filtre vert au centre qui est transparent, et un filtre rouge. Et du coup... l'important, c'est que ce soit transparent et de la bonne couleur. Moi, j'ai récupéré des vieux filtres en plastique que j'ai trouvé sur une brocante et j'ai fait un squelette en carton. Et d'ailleurs, il tient plus très bien. Et en fait, ils sont dans un état lamentable, mais moi, j'aime bien parce que justement, les rayures et les taches qu'il y a dessus, ça rajoute justement des artefacts. Alors que si je mettais juste un filtre ultra haute définition de super bonne qualité devant... au final, ça donnerait pas ces petits effets un peu bizarres. Et l'intérêt, c'est que ces petits effets
vont se mélanger avec la photo de ce qu'on est en train de prendre en photo. Et donc on sait jamais vraiment ce qu'on va voir. Tu sais jamais ce que tu vas récupérer. Et c'est ça aussi que j'adore dans la trichromie, c'est que on peut imaginer ce qu'on va avoir, on peut être sûr à 90% de ce qu'on va avoir, mais il y a toujours le petit 10% dit, ah, et qu'on a, auquel on n'avait pas pensé, et que ça va faire un effet sympa sur la photo. Et donc du coup, j'ai commencé par faire mes trois photos sur ces trois filtres ouais. En noir et blanc, pour faire vraiment la bonne technique, alors, vrai, comme il faisait à l'ancienne. Et puis, à force de travailler dessus, j'ai trouvé que je pouvais passer l'étape du noir et blanc. D'accord. Et garder les trois photos couleur, couleur et mélanger, et juste les mélanger justement dans Photoshop grâce au mode de fusion qui en fait vont recréer tout seul sans qu'on ait besoin de leur dire de passer en noir et blanc, ils vont recréer tout seul l'effet fusion des couleurs. Et après, par contre, une fois que j'ai fait cette fusion des trois couleurs, là il y a tout un travail de colorimétrie, d'étalonnage, de color grading. De toute façon, Pour avoir, parce que quand on, je pourrais vous montrer, mais quand on va créer l'image fusionnée des trois photos, on va voir quelque chose qui va être très très délavé, pas toujours de la bonne couleur. Ouais. Et alors pour retrouver les tons de la peau, les choses comme ça, on va devoir travailler beaucoup sur l'image. Ouais. Et c'est aussi ça qui est marrant dans la trichromie, c'est que moi mon but c'est pas de recréer des images exactement identiques à la réalité, parce que sinon bon, ça serait peut-être un peu trop proche. Ouais. Donc du coup ça va être de jouer sur la saturation des calques, peut-être le déplacement, et on peut aussi créer le tout ce qui est travail de comment ça s'appelle, de déplacement de certains calques pour pouvoir faire des petites aberrations qui, elles, n'étaient pas présentes au moment du shooting, mais c'est juste pour en rajouter certaines à certains endroits qu'on peut, on peut tricher aussi. Et récemment, j'ai vu aussi qu'on pouvait tout simplement faire de la trichromie avec trois photos sans filtre. Donc trois photos couleurs, et dans récupérant juste la bonne, le bon calque. Dans Photoshop, on enlève les deux autres couches de couleurs, donc on se retrouve qu'avec juste la partie rouge, et on mixe les trois photos. C'est une technique qui marche très bien et qui est super facile à faire. Le seul problème, c'est que bah, il y a absolument pas d'inconnu. Ouais, c'est ça. Ça devient une technique qui est industrialisée. Voilà. Qui est, ça va donner une image trichromie. On peut s'amuser avec, mais si on n'a pas des filtres devant, on n'aura pas ces petits effets du plastique qui vont faire un truc. Et puis on va trop bien savoir ce qu'on va avoir en fait. Carrément. J'avais en stock une petite vidéo que je vais mettre en arrière-plan là, juste derrière, et qui m'amusait beaucoup sur le sujet. C'est un groupe qui s'appelle Royal Blood, et en fait ils l'ont fait en vidéo, tu vois, et pour le coup je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils avaient utilisé comme post-prod à l'intérieur de Premiere ou d'After pour récupérer ce truc-là. Et dans les trucs autour du film, c'était en fait le mec avait, comme toi, un filtre qui baladait devant son image, un coup en bleu, un coup en rouge, en fonction de ce qu'il avait à raconter, et de faire réapparaître la partie sanguine et tout. Donc c'était plutôt cool, ils s'en fait vraiment super plaisir. Et je me disais, tiens, mais comment il a géré ce truc-là? Et c'est juste, c'est filmé, quoi. Oui, bah, en plus, moi, je trouve que les photos qu'on fait à travers un fil de couleur, quand elles apparaissent sur l'écran de l'ordinateur, je trouve qu'elles sont plus intéressantes que de juste mettre un filtre Photoshop par-dessus. Parce qu'il y a quelque chose au moment de la prise de vue qui va être vraiment différent. Ouais. Et après, moi, j'ai un objectif ancien où on a le filtre qui bouge à l'intérieur de l'objectif. Donc, on a plusieurs couleurs. Et c'est intéressant. Après, il n'est pas très pratique, donc je préfère continuer à utiliser ça. Tu préfères continuer à mettre ton filtre. Mais techniquement, ça peut exister assez... Carrément. Non, mais c'est vraiment cool, en fait, ce mélange de techniques. Est-ce que c'est des choses que tu nous montrerais dans Photoshop? Je peux vous montrer. Donc ça, c'est des shoots que j'ai fait récemment. Ouais. Et... on voit que j'ai des photos, des séries de photos où j'ai utilisé mon filtre. Donc par exemple, si on prend ces trois images-là, par exemple, ou d'autres, mais on va dire... on va prendre celle-là, par exemple. On voit que, déjà, on ne peut pas utiliser le filtre comme ça. Il faut faire ses retouches, ses premières petites retouches, pour avoir quelque chose qui va être quand même...
on va essayer de dessiner en fait. Donc moi je vais utiliser la clarté. Le truc c'est que quand on met le filtre devant l'objectif, on va avoir, on va perdre un peu en justement en définition. Donc en augmentant la clarté et la correction du voile, on va peut-être récupérer un peu de cette définition. On va aller chercher un peu les ombres aussi. Toujours dans le but d'étaler un peu le spectre au niveau du rouge pour que tu aies le plus de matière possible. Ouais. On va peut-être augmenter la vibrance aussi. Le vert, on va faire pareil. On va faire pareil pour tout, en fait, pour augmenter un peu la définition de l'image. Ouvrir les ombres un peu. Peut-être essayer de passer un vert vraiment pur. Parce que là, il n'était pas totalement pur. Et le bleu, pareil. Alors le bleu, il ne faut pas l'ouvrir trop, il faut qu'il reste quand même assez sombre. Mais c'est surtout le voile et la clarté qu'on va augmenter. Voilà, et donc du coup, on va ouvrir ces trois-là. Et du coup, à partir des trois images, là, tu vas compositer dans Photoshop. Je vais vraiment faire un truc tout con de... Je vais faire un truc tout con de prendre la verte, pomme C, donc contrôle A, commande A, commande C, la commande V. Et là, c'est dans les calques en fait qu'on va travailler. On voit que le calque, donc si on a les deux calques, mais ils sont pas du tout alignés. Ouais. Au début, j'utilisais un trépied pour être sûr d'avoir exactement la même photo. Et puis, avec le temps, maintenant, j'ai assez d'expérience pour faire sans trépied. Donc, je suis à main levée. Ça me permet aussi d'être un peu plus naturel pour les photos. Et ensuite, c'est les calques que je vais bouger. Et donc, la technique, c'est de se mettre sur soit incrustation, soit la lumière tamisée. En fonction de l'image. Moi, c'est en anglais d'habitude. Donc, c'est screen ou... Overlay. Et... lumière tamisée, ça marche bien, et on va venir près de notre personnage, et on va déplacer le calque pour qu'il s'aligne sur les parties importantes. Sur les parties, donc en général, moi j'aligne sur les yeux, parce que c'est ça qu'on va regarder dans un portrait, pour essayer. Donc si on voit pas, on peut changer de mode, pour être sûr de pas se tromper. Ouais, d'ailleurs, ça permet de voir au passage que sur la version 2019, quand tu survoles les modes, tu vois directement le résultat. Ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Et déjà, on voit qu'il y a des déplacements de calque qu'on retrouvait déjà à l'époque dans les photos. Ensuite, on refait la même chose, pomme A, pomme C, pomme V sur le rouge. Et on fait la même chose en incrustation, alors, ou lumière tamisée. Superposition, ça peut marcher aussi, ça dépend un peu de la luminosité du jour du shooting. Ouais, ça dépend de ce que tu avais au départ sur tes calques. Ouais, ça dépend vraiment de la lumière en général. Quand c'est complètement cramé, ça peut... Donc là, on voit qu'en déplaçant, on retrouve le rose de la peau. Mais on voit aussi que l'image est quand même très délavée. Ouais. Et pas toujours super nette. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur la... Mais ça va lui donner aussi un style plus vintage. Donc là, on a notre image en couleur. On voit qu'il y a des détails qui ont bougé pendant le shoot. Donc ses cheveux ont bougé. Donc elle a des cheveux rouges. Maintenant, elle a des mèches bleues. Mais son visage n'a pas trop bougé. Par contre, elle a un peu bougé la manche. Donc c'est peut-être pas l'image la plus... où je vais avoir fait le plus de folie. Mais en tout cas, on est en première étape. Ensuite, on va rajouter des calques de correction par-dessus. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par une courbe. Et on va appuyer sur Alt et Automatique. Et c'est l'ordinateur qui va retrouver la couleur d'origine. Donc, déjà, là, on voit la différence. Elle est très bleutée. Là, on est retourné vers des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus intéressantes. On peut utiliser soit les niveaux sur le site devant, il y a plus de place pour retrouver alors pas trop jouer sur les blancs mais retrouver des contrastes intéressants. On va aussi travailler sur la correction sélective.
Donc la correction sélective, on va faire d'abord les gris pour essayer de voir un peu ce qui... Comment tu vas calibrer ton image, quelle balance de blanc tu vas lui donner dessus. Et puis après, on va peut-être pouvoir travailler sur les couleurs en elles-mêmes. Mm-hmm. Donc là, je vois que si j'augmente les cyans, mon cyan sur le côté va être plus puissant. Ta bande va évidemment ressortir. Donc du coup, on va pouvoir jouer aussi sur les ombres et les déformations de couleurs du personnage. Mm-hmm. On va pouvoir travailler sur les rouges. Là, les rouges de la chemise vont être beaucoup plus lumineux. Si je zoome... Là, on voit qu'ils sont complètement éteints. Là, on voit qu'ils sont... Ils commencent à être un peu cramés dessus. Voilà, donc on va pouvoir travailler comme ça. On va pouvoir aussi utiliser tous les différents niveaux pour pouvoir retravailler, pour donner un color grading différent. Mm-hmm. On peut créer un double de l'image et la faire passer en lumière tamisée. Non, lumière tamisée. Donc déjà, on récupère les noirs vachement. On peut baisser un peu l'opacité pour pouvoir mélanger un peu. Pouvoir mélanger. Mais donc du coup, là, on est déjà à un niveau. C'est pas la photo. Ça sort de ma carte. C'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est pas une photo que je publierai, mais en tout cas, on part de photos quand même complètement bleues ou complètement rouges ou complètement vertes, et on retrouve la couleur d'origine. Des vrais effets analogiques. Enfin, analogiques, en tout cas, qui sont pas... C'est pas l'effet numérique que tu as rajouté derrière. Toi, tu fais vraiment le mélange de tes couches, tu fais vraiment ton développement. Oui, il n'y a pas de filtre vintage ou de faux grains, je sais pas quoi. C'est au moment de la prise de vue, parce qu'il y avait une rayure sur mon filtre, ou parce que le soleil est venu se réfracter dans le plastique du filtre et a fait un petit... Des fois, je me trompe aussi. Et je prends pas ma photo, je bouge pas assez vite mon filtre. Ouais. Et du coup, des fois, ça prend un petit bout du carton ou du suivant. Mm-hmm. Et donc, du coup, des fois, t'as des grosses taches de vert ou de rouge qui apparaissent en bas de l'image. Ouais, ouais. Et ça, je trouve ça, souvent, c'est là qui marche le mieux. C'est toujours la recherche des little accidents. Ça. Et sur mon. Allez, montre-moi mon. Voilà. Sur mon. Instagram, on voit que, par exemple, celle-là, y a un effet bleu-blanc-rouge qui n'était pas du tout prévu à la base. Ouais, mais parce que j'ai bougé peut-être le filtre bleu un peu trop vite, et il a imprimé toute une partie ici et il n'a pas eu le temps d'imprimer la fin. Donc, du coup, la tour Eiffel est rouge, beaucoup plus rouge. Mais par contre, le visage qui, lui, est au centre est la bonne couleur. Mmh. Et on voit aussi que derrière elle, là, on a des taches de lumière qui sont un peu explosifs, qui sont dus au filtre. C'est un petit côté flair que t'as fabriqué complètement. Et le truc, c'est que t'avais aucune idée de ce que t'allais sortir avant. Si, là, par exemple, je lui ai dit, sur deux photos, tu bouges pas, et sur la troisième photo, tu mets ta main devant ton visage avec le soleil. Et donc, je savais que l'ombre allait être d'une couleur forte, mais je savais pas exactement, entre les trois, laquelle allait être la plus forte. Et après, la vraie couleur, c'était du vert pur. Sauf que moi, pour des raisons esthétiques, j'ai préféré le faire partir vers le cyan, en le retraitant. Et donc ça marche aussi. Et rien n'empêche, c'est pas interdit de s'amuser, de changer les couleurs de la trichromie. Il n'y a pas un groupe de défense de la trichromie. C'est ça, il n'y a pas des gens qui vont te dire « Non, mais ta photo, elle devrait être exactement de cette couleur-là. » Oui, parce que personne n'en fait, on fait ce qu'on veut. Et donc, du coup, là, on peut aussi travailler sur des zones. Là, par exemple, la partie de ses cheveux qui est vraiment bleue, le premier résultat que j'avais, on le voyait à peine. Donc moi, je l'ai sorti pour qu'on ait cette espèce d'effet d'éclairage par le haut. Par contre, si un personnage... n'a pas d'artefact de couleur qui lui sort du corps, je ne vais pas en créer des artificiels. Et puis après, on a... là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le personnage est resté bien, bien droit, mais c'est moi qui ai bougé un tout petit peu. Qui t'es décalé pour pouvoir justement recréer avec la profondeur de champ la perspective. Voilà, et donc du coup, toute l'architecture de la serre derrière elle est un peu floue et bleue, parce que entre les trois photos, j'ai bougé de quelques microns avec l'appareil, et du coup, les parties métalliques ultra précises, elles ont souffert, mais moi, je trouve que ça rend un style intéressant. Et puis, là, c'était intéressant parce que c'était le soleil qui a bougé. Donc, du coup, on voit sur son front qu'il y a comme des arcs-en-ciel,
Et pareil, sur son t-shirt, il y a des parties sont rouges, qui deviennent bleues. C'est comme si tu t'étais trouvé un fil polarisant à prisme. Un peu, sauf qu'on peut jouer aussi avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que là, on a, pareil, on retrouve le truc bleu-blanc-rouge qui n'était pas prévu. Et le soleil a dû bouger entre les photos. Et donc, du coup, très peu, mais ça a suffi à faire des effets intéressants. Et du coup, on peut aussi jouer, voilà, par exemple, là, c'était une guirlande normale, ouais. d'une seule couleur. Mais vu qu'elle a fait bouger la guirlande de quelques microns entre les trois photos, bah, le bokeh au premier plan, il devient il a complètement truc de Noël. Derrière, c'est cool, quoi. Alors que son visage, elle est restée super nette, enfin, elle est stoïque. Donc, elle n'a pas eu besoin de retouche après. C'est juste sa main qui a bougé. On voit que sa main bouge un peu, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui est c'est vraiment marrant d'avoir ces effets là et en plus tu peux pas les sentir venir en amont, quoi. Par exemple celui-là, je lui ai dit sur deux photos tu restes exactement sans bouger, et sur la troisième tu vas mettre tes cheveux sur le visage. D'où cette espèce de caste rouge sur son visage. Et en fait, moi, je savais qu'il y aurait un cast, puisqu'il y a une des photos qui est différente. Mais je n'étais pas sûr à 100% que ça allait être rouge. Après, avec le temps, on finit par savoir à peu près ce qu'on va avoir. Mais on voit que les feuilles derrière, par contre, il y a dû avoir un petit coup de vent ou un mouvement de moi. Et du coup, les plantes derrière sont complètement bizarres. Et son costume aussi est vachement fluo, quoi. Donc, il y a des choses qu'on peut contrôler. Et puis il y a des choses des fois qu'on va pas contrôler du tout. Et c'est pareil pour, c'est peut-être plus vieux, ce système de plusieurs photos fusionnées. Là par exemple, elle a bougé. Donc on voit qu'elle a monté l'appareil. Donc son visage, lui, n'a pas bougé. Donc il est net, il est de la bonne couleur. Par contre, ses mains, on part dans de la vraie trichromie vraiment puissante. Intéressant. Et la photo que tu avais utilisée sur la vidéo que tu as fait de la trichromie, elle est sur du landscape, ouais, sur la montagne. Ça peut marcher sur tout en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit un être humain. À partir du moment où il y a un élément qui bouge dans l'image, par exemple celle-là, on a sur la troisième photo, je lui dis tu mets un chapeau. Et bah du coup son chapeau il est transparent, on voit son crâne à travers et il est jaune. C'est le retour de Man Ray. Alors j'ai une question dans le chat de Stéphane qui dit est-ce que par hasard il y a un lien, c'est vraiment par curiosité, avec Arnaud Stern? Qui était un peintre et qui travaillait justement sur les travaux de couleur et sur la peinture libre. Aucun lien. Mais après, peut-être que je vais apprendre des choses aujourd'hui. Tous les gens qui s'appellent Stern travaillent sur la couleur. Oui, on se connaît tous, tous à la même famille. Non, mais voilà, et donc du coup, il y a ce moyen de travailler. D'innover sans dépenser des fortunes, parce que c'est soit des bouts de plastique qui coûtent rien, soit de le faire directement trois photos et de les changer après dans Photoshop. Après, tu dis bouts de plastique qui coûtent rien, mais comme d'hab, là tu nous parles aussi des artefacts, des rayures et tout que ça provoque. Je sais que quand on est en location de studio photo et qu'on cherche à avoir du filtre, il est fabrique, ça coûte un œil. Alors, moi j'ai trouvé ça sur un vide-grenier, c'était des filtres, j'imagine, des années 70 en plastique pas cher. Techniquement, à partir du moment où tu trouves un truc transparent et rouge. Et rouge, c'est suffisant. C'est suffisant. Même une feuille transparente que tu peins en rouge, ça devrait suffire. Ça donnera peut-être même des effets intéressants. Je n'ai pas testé. Et après, là, par exemple, là, j'ai mixé deux choses. Ouais. J'ai mixé un objectif ancien que j'ai modifié pour faire un bokeh explosif. Et en même temps, j'ai pris trois photos avec cet appareil-là, sans les filtres. Et on voit que j'ai eu un tout petit mouvement. Donc, du coup, ça fait vraiment un bokeh multicolore, explosif. Le flou de direction, non, flou de vitesse. Ça fait un flou de vitesse, sauf que c'est fait sans zoom. C'est fait complètement à la main. Dans l'objectif, en fait. Et j'essaye de retrouver d'autres exemples de trichromie, mais après, ça commence à... Les premiers essais, on voit que c'était encore très expérimental. Tu découvres, Ouais. Non, ce qui est normal, hein, je pense que ça fait partie du truc. Non, là, on a son saxophone qui a bougé, mais son visage n'a pas bougé. C'est la même que sur l'appareil photo, en fait. Enfin, le même... Oui, c'est le même principe. Là, ses cheveux ont bougé,
les feuilles dans les arbres ont bougé un petit peu. Et donc, du coup, on a quand même un truc net. Et là, par exemple, quand j'ai fait la photo, le résultat dans Photoshop, il était très, très passé. La netteté était très mauvaise. Mmh. Donc, j'ai boosté à fond la clarté. Ouais. Et on se retrouve avec un truc qui est intéressant. Qui n'est pas net, net, mais qui n'est pas net non plus. C'est un mix entre les deux. Ça, c'était tu les prenais encore au trépied ou t'étais en... À l'époque, c'était encore en trépied. Parce qu'au trépied, déjà, tu vas limiter le mouvement, mais elle vit, elle respire. Donc oui. Il y a quand même un moment où... Non, mais c'est... Et puis, j'aime bien aussi le côté j'en fais plein avec à la main, et puis on verra ce qu'on fait après avec, plutôt que de se dire, je prends mon trépied, je vais bien respecter tout, et je vais en faire trois. Et ça demande un peu de... Comment ça s'appelle de... Il faut être capable de faire ces photos. Donc en gros, l'idée c'est ça, c'est tu fais ta mise au point manuellement. Donc moi je la fais manuellement. Et une fois que je suis prêt, je bloque bien l'appareil sur mon visage, sur mon œil. Et c'est clic, clic, clic. Vraiment, ça doit être super rapide. Et pour pas que la personne bouge. Si par contre c'est prévu de mettre deux minutes entre chaque photo, clic, 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 ou plus long que ça. Et on peut imaginer, avec les paysages par exemple, là j'ai un truc qui n'est pas encore sorti, que je travaille sur les paysages de Nouvelle-Zélande en trichromie. Là par contre j'ai attendu 10 secondes entre chaque photo. D'accord. Et pour laisser le temps aux nuages d'avancer et d'avoir une différence entre chaque. Donc ça c'était ma première recherche. Je vais remettre ça. qui montrait en fait, je voulais tester l'idée et l'idée fonctionne. Mais j'avais un problème avec le ciel qui était trop bordélique. Il y avait trop de couleurs. Il y avait trop de nuages, ça partait dans tous les sens. Ouais, c'est devenu une espèce de purée de couleurs irregardable. Sauf que il y avait du potentiel. Donc là, dans la série que je suis en train de faire en ce moment, j'ai décidé de garder juste les nuages dans leur couleur d'origine et de travailler uniquement que sur les ombres des photos, des nuages sur le paysage. Sur le paysage, et c'est là où les espèces de traînées de couleurs vont dessiner le paysage. Et les premiers résultats que j'ai sont plutôt très très bien. Donc je vais essayer de continuer ma série là-dessus. Et ça, pour l'instant, personne ne l'a traité. C'est vraiment utiliser l'ombre des nuages comme pinceau. En fait. Comme pinceau et comme pour retrouver souligner la lumière. Des parties. Donc on voit que là, sur l'ombre des nuages sur le lac dessine des castes de couleurs. Mais ce qui se passe dans le ciel est trop attire trop le regard, ça gêne trop. Donc du coup, ça c'était ma première idée, mais ça date d'il y a presque un an et demi. Donc maintenant, j'ai vraiment évolué là-dessus. J'ai pas encore sorti la série, donc je en reparlerai quand ça sera online. Mais voilà, et j'ai même trouvé un terme, c'est la nimbographie, parce que c'est nimbus pour nuages. Pour nuages, donc. Je vais lancer la chaîne YouTube de la nimbographie. De la nimbographie, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Mais... Écoute, ça va être comme pour trichromie et pour. Surtout que la trichromie, c'est quelque chose qui est dur à maîtriser, mais qui est assez simple à mettre en place. Et j'ai tout le temps des questions sur comment faire. Et je leur dis, mais en fait, j'ai fait un tutoriel, tout est sur. Retourner là-bas. C'est simple. En fait. C'est quelque chose que tu postes tout sur ton blog ou sur la chaîne YouTube Plutôt sur la chaîne YouTube. Ce tutoriel étant un peu vieux, je ne l'ai peut-être pas mis sur mon blog. Mais la vidéo que tu as montrée, là, voilà, Surreal Colors, c'est vraiment la technique que je montre dans mes vidéos. Ouais. Parce que du coup, tu avais fait pas mal de... Sur le portrait, en fait, aujourd'hui, c'est la journée où je vais plus l'expliquer. Parce que j'ai pas encore fait une vidéo officielle sur ma chaîne qui explique comment faire la trichromie pour les portraits. Mais j'aime bien aussi l'idée que les gens cherchent un peu par eux-mêmes parce que... sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et puis, il y a aussi le côté, si je donne tous mes secrets à moi perso, comment je fais pour sortir du lot. Mais tu vois, regarde, j'avais déjà montré... Ce truc-là. Double Color Exposure, qui est pratiquement exactement la même chose que la trichromie avec des filtres. Et il y a eu 4000 vues, donc au final, les gens, ça les intéresse peut-être pas. C'est ça, ils veulent le secret, mais ils cherchent pas très vraiment. Quoi. Mais là, c'est exactement cette vidéo-là, c'est exactement la technique pour le faire sans. Sans se compliquer la vie d'ailleurs. Sans les filtres. Et là, c'est en l'occurrence, c'est pour que deux images, mais la technique marchera avec trois images. Où on va sectionner en fait
une des pistes de couleurs. Bien sûr. Et on va pouvoir mélanger les deux images. Alors ça, c'est pas mal pour faire de la double exposition de couleurs. Maintenant, si je devais le refaire, cette vidéo, je ferais plutôt sur un fond noir pour vraiment faire ressortir, pour avoir vraiment les couleurs du visage pur. Mais c'était juste un petit tuto rapide. Histoire de retrouver justement les petits bouts de technique. Alors ça, de toute façon, je vous ai mis le lien, et Stéphane aussi, sur la chaîne de Mathieu. Comme ça, vous pouvez à tout moment retrouver ça et vous pouvez aller lui poser la question de à quel endroit dans ta chaîne on retrouve ça. C'est ça. C'est ce que font les gens en général. Non, ils me demandent juste comment on fait. Alors je leur dis, cherche un petit peu. Prends tes petits doigts et cherche. Non, mais c'est pas simple parce que peut-être que les gens n'arrivent pas sur ta chaîne à voir la loupe qui permet de rechercher là. Ils n'arrivent pas à la trouver. Oui, peut-être. Mais ils font peut-être pas d'efforts. Surtout que sur ta petite remise sur Google, en général, il y a seulement mes vidéos qui sortent. Donc, vraiment, faut pas chercher longtemps. Mais le but, c'est... moi, j'ai pris du plaisir à chercher comment faire. Et d'avoir exactement la réponse noir sur blanc, comment faire. Bah, au final, c'est marrant. Ça enlève un peu du challenge. Déjà, et puis, surtout, la trichromie, c'est un truc personnel. C'est-à-dire que moi, je préfère adapter les couleurs pour qu'elles soient plus dans mon goût à moi. Mm-hmm. Si quelqu'un veut faire la trichromie où les bleus sont bleus et les verts sont verts purs, bon, bah, il faut qu'il fasse sa technique à lui. Donc, y a, comme pour la double exposition, il y a plein de techniques. Il y a des recettes. Mais les bases sont super facilement trouvables, même sur votre chaîne, avec la double exposition. C'était directement dessus. Donc, il ne faut pas... il faut avoir le plaisir de chercher et expérimenter surtout. Parce que le but, c'est... Enfin, si tout le monde faisait des photos parfaites tout de suite... Ça moins intéressant. Et c'est pareil. Et est-ce qu'il y aurait un vrai intérêt à faire des photos parfaites? C'est pas vraiment ça que tu cherches en plus. Moi ça m'intéresse pas. J'aime bien les photos un peu. J'aime pas les photos ratées, ça veut rien dire, mais j'aime pas. Je veux que les gens trouvent la photo cool et intéressante, mais j'ai pas envie d'avoir des photos qui sont chirurgicales, parfaites. Parce que du coup, bah, ça, c'est des photos que tout le monde peut faire en fait. Et c'est justement à travers l'utilisation d'objectifs bizarres. Là, j'ai un objectif de. Alors, j'ai ramené quelques objectifs un peu bizarres. Ça, c'est un objectif de caméra de sécurité. D'accord. 35 mm f1.7. Qui donc coûte 35, ça veut dire qu'il a une il c'est très plutôt grand angle. Et je crois qu'il coûte 20 €. On peut l'adapter sur un mirrorless, et il va faire un effet tournant super joli, mais la qualité va pas être, c'est un truc qui coûte 20 €, donc ça va pas être extraordinaire, mais on peut intégrer ces photos là dans un workflow, dans un univers visuel. Après, j'ai des objectifs qui sont plus anciens, dans le même principe, des petits objectifs de 16 mm ou 8 mm des fois, mais 8 mm ça devient compliqué à gérer sur un mirrorless. 16 mm ça peut marcher encore, qui sont en monture C et qui sont, là c'est un 75 mm f3.5 qui va être très net. Qui va être très net mais pas très loin. Si, si. Il est net en permanence. Je suis pas hyper fort en photo. Ouais, donc il va être net tout le temps, mais c'est parce qu'il est fermé à 3.5. Mmh. S'il était ouvert plus, là j'ai un tout petit objectif russe que j'avais fait une review sur ma chaîne, qui est un Industar. Celui-là, il va avoir les défauts des objectifs russes des années 50-60, qui vont faire que tout ce qui est derrière va tourner. Et donc, du coup, justement, oui, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps le Weird Lens Museum, où je fais un peu le catalogue de tous les objectifs dont j'ai parlé sur ma chaîne. Tous les objectifs un peu bizarres. Alors, soit ils sont vintage, soit ils sont complètement bizarres, comme l'objectif en impression 3D ou l'objectif en glaçon. Et puis, bah, j'ai des objectifs de vision nocturne, militaire... Là, j'ai par exemple l'objectif ici, c'est l'objectif pour faire de la stéréoscopie, pour voir en relief. Donc sur mon écran, la stéréoscopie, j'ai une voilà, 3D portrait. 3D lens. Ouais, mais alors plutôt que de la vidéo, je montre le résultat directement. D'accord, attends, je migre. Nous voilà. Voilà, donc là, tu vois, on voit que sur ce portrait-là,
on a un effet de relief qui est fait parce que l'objectif a deux miroirs qui reviennent vers le capteur. Le focus, ouais. Donc du coup, on a cet effet de relief et ça, c'est des. Alors ça, c'est une autre technique, mais ça, c'est des. C'est ces trois photos là. C'est un objectif qui date des années 30. D'accord. Et que j'ai adapté sur mon appareil photo sur un objectif plus récent et avec en démontant des filtres et tout pour que j'ai réussi à avoir cette qualité là. Et ça, par contre, c'est une autre technique où là, j'ai utilisé un slider, d'accord, faire 5 photos, faire les poses, et ensuite les fusionner dans Photoshop pour pouvoir avoir cet effet de 3D. Donc là, j'essaie encore, en ce moment, j'ai trouvé un objectif russe de stéréoscopie que j'essaye de modifier pour faire des photos encore plus impressionnantes. Mais en digital, pour l'instant, il y a très peu de gens qui font de la 3D, ouais. Parce que c'est super galère. Et il y a Kula 3D qui fait un truc, c'est des Islandais, ils font ça, ils font des trucs à un objectif à miroir, mais ça coûte une blinde et moi j'ai pas spécialement ni les moyens ni envie de complexifier le truc. Donc j'essaye avec mes propres moyens de fabriquer des options et des fois ça marche, des fois c'est un échec total. Voilà, donc du coup c'est un peu la même chose d'avoir... c'est d'expérimenter quoi et du coup on a toutes ces recherches je les ai compilées dans le Weird Lens Museum qui compile un peu tout donc chaque appareil photo chaque objectif est compilé avec des exemples photos, c'est les exemples que tu as tirés, les vidéos que tu as mis en place. Il y a la vidéo en haut et puis des exemples en full HD pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec cet objectif là, quels effets il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir des flares, est-ce qu'il y a le bokeh intéressant et ça dépend, certaines fois je mets le prix aussi, mais le prix fluctue tellement que je peux pas avoir un truc précis. S'il y en a eu plein, ils sont moins chers que si c'est hyper déjà, rare. Déjà, les objectifs Helios russes, il y en a plein, donc ils ne coûtent pas très cher. Celui-là, il va coûter très cher parce qu'il est ultra rare. Sauf que moi, quand je l'ai acheté, parce que personne n'est au courant, pas encore la mode de ça. Donc du coup, je l'ai acheté pour 40€. Mais maintenant, il en vaut beaucoup, beaucoup plus. Et là, on voit qu'il fait un effet ultra tournant autour du centre. Et le personnage central, lui, il est net. Il est super net, il est super propre. Mais tout ce qui est autour d'elle va tourner à fond. Donc ça, on peut très difficilement le créer sur Photoshop de manière, réaliste. Un kidam va pas voir trop la différence, mais un photographe qui s'y connaît un peu, il va tout de suite voir que c'est du fake. Il y a aussi une poésie qui est absente dans la version digitale artificielle. Mais par contre, on peut utiliser Photoshop pour color grader l'image, pour la rendre plus vivante. Et dans mes vidéos, de toute façon, je retouche toujours les photos sur Photoshop pour au moins la luminosité, le color grading. C'est ça, histoire d'avoir au moins une photo qui soit regardable et enfin que les photos aient une homogénéité. Voilà, qu'on soit pas juste out of the camera, un truc vraiment pur, et qu'on ait quelque chose qui soit un peu plus ce que les gens doivent essayer de faire. Pour avoir quelque chose de qualité à la fin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tester les objectifs et qui montrent des résultats directement qui sortent de la caméra, mais aucun photographe, son but c'est de faire des photos qui sortent juste de la caméra, il faut qu'il les travaille, qu'il les développe, qu'il travaille la luminosité, donc moi je préfère retoucher mes photos avant de les poster. Et de toute façon, les qualités de l'objectif n'auront pas changé, c'est juste la colorimétrie qui aura peut-être un peu changé. Ouais, de toute façon, ça, c'est un truc qu'on voit depuis les débuts de la photo et que les utilisateurs avaient tendance à oublier quand ils passaient en numérique. C'est-à-dire, bah oui, moi, je veux une photo la plus pure possible, alors que quand tu regardes les vieux travaux, soit d'un quartier Bresson ou autre, à chaque fois, il y a des retouches, il y a les zones sur lesquelles ils vont surexposer, sous-exposer. Le développement a une vraie grosse importance dans la photo, et c'est ce que toi, tu mets en place dès le départ dans Camera Raw. En démarrant. Ouais, Camera Raw, ça... Tu veux un deuxième verre d'eau? Ouais, peut-être prendre un deuxième verre d'eau. Verre d'eau, il est là-bas. Voilà, c'est la première fois que j'ai un invité qui meurt en direct. Donc du coup, Camera Raw, c'est... Moi, j'utilise Camera Raw plus que Lightroom, parce que mon workflow, je me suis habitué comme ça.
J'ai rien contre Lightroom, c'est juste que voilà, j'utilise la caméra RAW plus. Mmh. De toute façon, c'est je sais qu'on a toujours les deux tenants, c'est-à-dire oui, qu'un photographe qui va faire que je dirais l'étalonnage de son image en lumière, en couleur, etc. sera plus facilement sur Lightroom, bon, plus toute la partie catalogue en amont, et un photographe qui va vouloir mélanger deux images ou deux calques comme toi tu le fais quand tu fais de la tricro, il sera forcément sur Photoshop, donc passer plutôt par Camera Raw au départ. Donc, Moi, quand je fais mes shootings, je sais quelle pose et quelle photo je vais le plus travailler, mm-hmm. je le vois tout de suite, donc du coup j'ai pas besoin d'avoir la collection complète dans Lightroom. Je vais juste prendre les trois photos qui m'intéressent dans mon dossier et je les amène dans Camera Raw tout de suite et ça me permet de gagner du temps. Après, les deux logiciels sont quand même extrêmement proches. Donc C'est le même moteur. C'est la même chose. Il n'y a pas de guerre à avoir entre les deux logiciels. Et du coup, on va avoir sur mes vidéos et sur mes photos... un travail toujours de colorimétrie et aussi de netteté, de retravail de certains petits défauts de peau, des choses comme ça. Mais j'essaye de garder, là par exemple, c'est le même projecteur, le bokeh tournant, j'essaye toujours de garder les qualités de l'objectif de base. Je veux pas dire aux gens... acheter le même objectif, mais quand ils l'utilisent, ils n'ont pas le même effet. Donc quand j'ai mes trucs nocturnes avec les explosions de bokeh, j'ai absolument rien fait dans Photoshop, à part la colorimétrie, bien sûr. C'est vraiment le bokeh d'origine. Pour toi, c'est un grading et voilà. D'étalonnage. Après, s'il y a genre des boutons ou des poils sur le bout du nez, je leur enlève. Mais ces couleurs-là, c'est du Photoshop. Par contre, les boules de bokeh derrière elles sont les boules naturelles. D'origine. Surtout, en fait. Et j'essaye de garder... donc là, par exemple, c'était les paysages en trichromie. Donc là, on voit que c'était encore mes recherches, donc j'avais encore les nuages en trichromie. Mais là, sur la prochaine série, je vais complètement garder les nuages blancs d'origine. Et ça sera uniquement au niveau des taches de lumière sur le paysage qu'on va avoir ces effets de peinture un peu surréalistes. Et donc l'autre technique dont je voulais parler, c'était de reproduire l'effet collodion. Donc c'était le collodion, je sais pas si qui ici connaît un peu le collodion dans l'audience, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment de donner votre réponse. Ah, j'ai perdu mon truc. T'as perdu ton Photoshop, zut. Je te laisse le caler dès que tu... Alors d'ailleurs, il y a TMPX qui dit peut-être une idée d'objectif expérimental, l'œil de bœuf, le fisheye qu'on trouve sur les portes. Alors ça dépend si tu dois trimballer la porte avec toi. Ouais, non, ça c'est tout à fait... Ça a déjà été fait, c'est assez simple à faire. Ça marche. Moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est un objectif en œil, tout court. Okay. Dans un cristallin d'un animal. Alors, en l'occurrence, un bœuf, c'est déjà pas, c'est un gros œil. Mais par exemple, tout ce qui est œil de thon ou des gros poissons, si j'arrive à récupérer le cristallin de cet œil-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour diffuser une image. C'est ça. Donc, mais l'odeur, par contre, c'est un problème. C'est ça. Après avoir joué les climato-sceptiques, tu vas te mettre tout péta à dos. Bravo. Bah, il sera mort. Hein. Je vais pas moi qui ai le pêcher. C'est ça. Donc, faut aller sur les marchés aux poissons tôt le matin. Quand j'étais au collège, on avait disséqué je sais plus quoi d'ailleurs. C'était une grenouille. Et on avait disséqué aussi un œil de lapin. D'accord, ouais. Histoire de voir comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, quoi. Et quand je l'ai ouvert, il y avait littéralement une petite bille transparente, donc le cristallin. Et donc, techniquement, tous les animaux, tous les gros, les animaux vertébrés, en tout cas, ont un cristallin. Et donc, si moi, je peux voir à travers, il n'y a pas de raison. Alors, peut-être que quand on meurt, le cristallin change de qualité, ça, je ne sais pas.
Mais ça serait un Frankenstein caméra littéral, quoi. Ça serait bio-organique, organique-mécanique. Alors vas-y, du coup, tu nous racontes le collodion. Là, c'est des tirages au collodion original. Donc, en fait, le collodion, c'est une technique qui utilise du collodion humide, donc un produit chimique, qu'on met sur une plaque de métal, qu'on va mettre dans un appareil souvent ancien, parce qu'on va faire des tirages de très haut, de très grande taille, donc des très grands formats, et qui va capter en niveau de gris la qualité d'image, une qualité d'image qui va percevoir plus les rayons bleus, les ondes bleues de couleur, et qui va faire une qualité de peau complètement ahurissante. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui est blanc à la base, mais parce que ça capte la couleur d'une manière différente, il va paraître super, super bronzé, brûlé presque. Et les gens qui ont les yeux clairs, en général, ça leur fait des yeux de zombies complètement dingues. Ou alors, les gens qui sont plutôt bronzés dans la vie vont avoir l'air d'être littéralement en cuir. Donc ça marche super bien sur les gens qui ont la peau très blanche et aussi sur les gens qui ont la peau très noire. Et donc, du coup, ça va avoir cet effet, alors là, pour le coup, ultra vintage, parce que c'est vraiment les toutes premières photos. Mais ça fait aussi un effet un peu fantomatique. Et on va avoir des gens qui vont être aussi... on va jouer sur la profondeur de champ, sur des appareils qui avaient des énormes objectifs et qui, du coup, faisaient des profondeurs de champ. Justement, on voit que le personnage est super net. Et tout ce qui est derrière commence à être complètement dans un autre plan, complètement flou. Ça, c'est ce que toi, tu as tenté de reproduire. Alors, c'est ce que j'ai tenté de reproduire. J'ai même fait un épisode avec un photographe qui fait ça professionnellement. Donc, il y a tout le matériel. Et là, on voit sa version à lui, donc à gauche. Et ça, c'est ma version à moi. D'accord. Donc, on n'est pas très loin. Et j'avais fait, pour m'amuser, j'avais posté sur mon site... ça c'était pour recréer des portraits de criminels, dans les premiers portraits de criminels qui étaient faits comme ça en collodion justement. Et il y avait par exemple ce portrait là, donc d'une actrice noire, mais qui pour le coup avec l'effet collodion sous Photoshop va avoir une peau qui va être complètement différente de la peau qu'elle avait ce jour-là. Et ça va, l'intérêt du collodion aussi, c'est que ça fait sortir les cheveux quand ils sont noirs, ça leur donne une texture, un volume qui est vachement bizarre. Et donc, du coup, le collodion artificiel, ça va aussi faire ressortir les grains de beauté. Ouais. Et ça va, donc là, moi, j'ai travaillé donc, à recréer avec Photoshop l'effet du collodion artificiel à travers la retouche des yeux, la retouche de la peau, et à gérer comment on va booster ces différentes parties. Et donc, du coup, on avait fait des expériences. Ça, c'est la trichromie. On avait fait des expériences pour essayer de reproduire au plus fidèlement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, pour m'amuser, j'avais posté un de mes portraits fait uniquement dans l'ordinateur. Je l'avais pas celui-là, mais je ne sais plus exactement lequel. Mais j'en avais posté un que j'avais fait en faux collodion. Et je l'avais posté sur un groupe Facebook de vrais photographes au collodion, chimiques, machin, avec les gants et tout. Et j'avais dit, je l'ai fait au collodion aussi. Et il n'y en a pas un qui a vu. Ils ont tous cru que c'était fait au collodion. Ils ont trouvé que c'était cool. Ils ont dit, elle est bien la photo. Et puis au bout de, je sais pas, de 2 jours, il y a un mec qui a fini par dire, ouais, mais c'est un peu étrange quand même. Il n'y a aucune saleté. Elle n'est pas un peu trop propre. Et j'ai dit, c'est normal, je l'ai fait à l'ordinateur. Et là, je me suis fait pourrir. Ils m'ont tous détruit. Ouais, tu cherches du coup, c'est... Non, mais c'était pour voir si le fait que les mecs qui font ça toute la journée voient pas la différence, c'est que la technique était pas si mauvaise. Donc du coup, j'ai réussi à faire d'autres portraits comme ça en gardant la même technique. Et c'est un... C'est, quand on fait dans Photoshop, quand on passe une image au noir et blanc de manière directe, c'est-à-dire avec les filtres, les calques de modification juste noir et blanc... On se retrouve avec, même si on joue sur les différents
teinte de couleur. De couleur, ouais, les gars. On se retrouve toujours avec quand même la peau des personnages qui va être très blanche. Mmh. Et l'intérêt du collodion, c'est qu'on va pouvoir récupérer la texture de la peau, les imperfections. Parce que le collodion, c'est... Sans aller jusqu'à refaire un masque, sans... Voilà, c'est mmh. dès le... Donc là, c'est une photo trichromie, donc c'est pas un bon exemple. Mais si je prends... Si je prends un portrait, je sais pas si c'est celui-là. Oui, voilà, pardon, je prends ce portrait-là. Donc là, il est en couleur. Mm-hmm. Et je vais mettre un filtre. Donc en général, moi, je commence par un mélangeur de couches. Ouais. Donc on sait que le collodion, ça joue sur la longueur d'onde du bleu. Donc je vais mettre en monochrome. Donc là on voit que ça fait juste la peau blanche normale. Mm-hmm. Si je pousse à fond le bleu et que je descends les deux autres, on voit que tu commences à retrouver. On voit une texture de peau qui est complètement différente. Là, les yeux ont changé de matière, les cheveux sont devenus beaucoup plus filasseux et intéressants. Et surtout on voit que la texture de sa peau, elle est ultra ressortie. On voit tous les petits détails que on n'avait pas dans un mode juste passage au noir et blanc. Alors bien sûr, ça c'est une toute première étape. Mm-hmm. Je vais pas poster ça parce que ça c'est très très moche. Mais c'est une première étape pour récupérer. Donc on va baisser un peu. Pour retrouver les nuances. On va faire venir un petit peu de vert. On va faire revenir pas trop de rouge. Ensuite, on va ajouter un petit peu de peut-être un truc de niveau par-dessus pour récupérer un peu de contraste sans que ce soit trop laid. Et on va travailler comme ça par étape, par couche, pour réussir à avoir un résultat qui va être du noir et blanc, mm-hmm. mais qui ne sera pas du noir et blanc direct, première étape, et qui va être avec plus de texture dans la peau, plus de texture dans les cheveux. Et après il va y avoir un travail de colorisation pour donner le même aspect que l'époque. On peut même pousser le truc, moi je le fais plus parce que mon but c'est pas de faire du collodion digital, ouais. C'est d'avoir le même univers graphique, mais je veux pas faire des fausses coulures de liquide et tout dessus. Je le faisais au début pour voir pour envoyer si tu pouvais le faire ouais, pour l'envoyer sur ce groupe là pour voir s'ils allaient croire. Mais maintenant, moi, je préfère avoir juste l'univers graphique, mais pas essayer de reproduire quelque chose qui est réel, qui est chimique. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien l'univers des portraits au collodion. Ouais. Et mon but, c'était de pouvoir faire des noirs et blancs qui soient un peu plus avec du caractère que juste un noir et blanc clean, parfait, quoi. Donc, j'appelle ça du digital collodion parce que ça ressemble. Mais j'ai jamais dit, et je dirais jamais que c'est exactement pareil. Ouais, bien sûr. Et je veux pas me mettre à dos tous les photographes au collodion qui ont tout à fait, qui sont super doués. En plus, j'ai fait des collabs avec des mecs qui en font, qui m'ont pris en photo avec un appareil ancien au collodion. Et la qualité, elle égalera jamais celle de Photoshop. Par contre, on peut donner à son image dans Photoshop un univers graphique qui se rapproche qui permet de retrouver, de retrouver ça. Et alors du coup, quand on a discuté de la session, on s'était dit beaucoup de Photoshop, un tout petit peu de Premiere. En fait, Premiere, toi, tu l'utilises pour tes montages. Premiere, j'utilise pour 90% mes montages. Mm-hmm. Et après, j'ai fait le film Alone in Paris, où j'avais... il est là. Hop. Ouais, il est dans les films Alone in Paris. Donc, tu peux me montrer le milieu, peut-être. Donc ça commence à dater un peu, mais le truc, c'est en gros, j'ai utilisé Photoshop et Premiere ensemble pour effacer tous les gens dans la rue. Donc dans Photoshop, j'ai effacé les gens, et ensuite j'ai utilisé des calques dans Premiere pour pouvoir avoir les rues de Paris toujours vides. Et dans Premiere, j'ai fait un masque autour de l'actrice pour qu'elle soit toujours dans l'image. Donc là, ça permet d'avoir des plans sur des endroits où il y avait des centaines de personnes. D'ailleurs, je montre le making-of, je montre les plans avant et après. Et donc là, pendant qu'elle prenait sa photo, il y avait un touriste chinois qui était devant elle. Et dans la nage finale, on ne le voit plus du tout. Et donc du coup,
Ça a été un mélange des deux logiciels qui m'a pris un temps pas possible. Et à l'époque, j'avais été tweeté par le compte officiel américain de Adobe. Mm. Donc c'était un peu cool qu'ils reconnaissent okay. la vidéo. Et donc, alors ça, c'est. Je ça, sais c'est plus, les scènes, les deleted scenes. Mais je pense qu'il y a aussi. C'est pas celui-là qui est. Si, je pense que c'est le making-of après. Oui, voilà. Là, on voit exactement le fameux touriste qui est pile devant. Donc là on à chaque fois, on a la version vide. Mmh. Et après, on a la version qui a été en vrai filmée. Mmh. Donc là, on voit qu'il y avait plein de gens. Ça va, t'étais pas encore dans un moment avec de la foule. On y est allé ouais. à 14h en semaine, mais mmh. la plupart des gens croyaient qu'on y était allé à 5h du matin, alors que mmh. tu vois, il y a. Ouais, mais de toute façon, tu vois bien au niveau de la lumière, t'es pas du tout sur le même. Oui, bah moi je voulais pas filmer mmh. à 4h du matin, sinon il y avait pas de challenge. Mmh, mmh. Et en fait, voilà, là c'était la vraie scène. Là c'est pareil, elle est toute seule, et en fait, il y avait des gens partout derrière elle. C'est sympa de faire réapparaître les fantômes. Oui. J'aimerais bien faire un numéro 2, mais je sais pas encore comment. Mais celui-là, si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais complètement différemment. Mmh. Parce que j'ai vachement appris en color grading, en montage, en plein de choses. Mais c'était un projet qui avait pris beaucoup de temps et qui était bien stressant et qui était bien cool. Et donc, du coup, oui, c'est la première, en tout cas. Mmh. Je l'utilise pour tous mes montages, pour mes color grading, ouais. pour créer mes luttes. Il y a une série de packs de luttes que je vends sur ma chaîne que j'ai créé en mixant encore une fois Photoshop et Premiere mm-hmm. Et qui me permettent de voilà, c'est toute une série de luttes avec des thèmes différents, et ça permet, quand on les applique, pour ceux qui connaissent pas les luttes, ça permet d'appliquer un type de couleur à soit une image fixe, donc mm-hmm. en Photoshop, soit à une image en mouvement dans Premiere. Et c'est un peu du ready-made, on a juste à cliquer sur appliquer et on aura le même résultat que dans les exemples que je donne. Ouais, ce qui permet, alors si c'est sur une image, tu peux te dire qu'on peut aller jouer dans les courbes, les couches et tout ça, mais quand tu es sur du film, ça te permet d'avoir une vraie cohérence sur l'ensemble de ton... D'avoir, alors après il faut toujours travailler un peu les petits détails pour pas... Parce que si on applique un des luttes qu'on achète, ce soit les miens ou ceux de n'importe qui d'autre, qu'on l'applique directement sur son footage, aura toujours un truc qui n'est pas exactement ce qu'on veut. Donc après, il faut diminuer l'intensité du lutte, travailler en dessous sur un calque d'ajustement par-dessus son footage d'origine, surtout pour ne pas le détruire. Ouais, donc sûr. On va avoir ce calque d'ajustement au-dessus et on va mettre ce lutte par-dessus, et c'est dans le calque en dessous qu'on va travailler sur la luminosité, le contraste, pour pouvoir avoir un truc qu'on veut exactement le color grading et pouvoir le garder sur toute la vidéo. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé récemment. Et puis j'ai fait un lutte en infrarouge, pareil, mm-hmm. sur qui a été créé sur Photoshop et ensuite mis en place sur... je crois que c'est tout en haut. Tout en haut, c'est le infrarouge. Il y a un exemple où on voit... On avait vu ce portrait-là. On voit le avant-après, normalement, dans la vidéo, où on va avoir... c'est plus visible un petit peu plus loin, je pense, mais... un peu avant, je pense. Il faut bien viser. Voilà. Donc, on a un truc qui fait qu'on va avoir le vert uniquement qui va devenir rouge, qui va reproduire un peu les photos infrarouges qui ont été retouchées pour avoir ce rouge aérochrome très fort. Et on va pouvoir garder les couleurs de la peau d'origine à peu près dans leur couleur d'origine. Mmh. Et donc ça, par exemple, c'est des fichiers que je vais vendre via mon site, pas très cher, et qui permettent de faire des essais sur son footage. Mmh. Ou quand quelqu'un a vraiment besoin de recréer une image, voilà, Photoshop, où les feuilles deviennent rouges. C'est ça. Ce qui est extrêmement compliqué, moi j'ai mis un temps pas possible à trouver, parce qu'on pense qu'il suffit de faire, on a plein de gens qui m'ont dit, mais il suffit de faire, travailler sur le sélecteur de couleurs, les choses comme ça, et c'est fait en 5 minutes. À chaque fois je dis, vas-y fais-le, puis reviens me voir. Fais-le en 5 minutes et après... En fait c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a vraiment tout un truc justement dans les mélangeurs de couches, dans tous ces trucs-là,
qui fait que ça va être vraiment un effet réaliste. Parce que sinon, tout devient rouge. Oui. Si on fait ça, et du coup, c'est plus intéressant. D'avoir les humains qui ont la peau violette, c'est pas intéressant. Donc du coup, ce lutte-là, c'est un exemple de fusion, de travail ensemble entre Photoshop et Premiere. Tout à fait. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, là. Ouais, je pense. On a fait un tour de Mathieu Stern, entre la photo, la vidéo, les luttes, les glaçons, les objectifs. J'ai vu qu'il y avait eu quelques questions, mais alors Stéphane a répondu à la plupart. Ensuite, il y a eu pas mal de blagues sur l'œil de bœuf et toute la suite, toute la suite des animaux charcutés. Merci beaucoup pour ces explications, cette présence. Et tout l'échange qui va autour. Je sais pas si on se recroise très prochainement. Ben, quand vous voulez. Sur ta chaîne, faut que tu nous tiendras au jus des nouvelles vidéos sorties. Ben, y en a une à 14h aujourd'hui. Ah oui, non, c'est hyper précis. C'est super précis. Dans 28 minutes, une vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo super intéressante sur des expériences sur la photographie en UV. D'accord. Et vous allez voir qu'on a éclairé des aliments et des différents objets avec des lumières UV pour voir comment elles réagissaient. Et vous allez voir, ça, c'est assez impressionnant. Voilà, bien. À 14h. Ça tombe bien, c'est donc à 14h. Merci Mathieu, merci au public, merci à Stéphane pour les liens et tout ça. J'espère que vous en profiterez et que vous aurez des jolis rendus à nous montrer prochainement les uns et les autres. Vous pouvez m'envoyer des trucs si vous voulez. Ça marche, allez. Bye bye. Ciao.